Et bien voilà les gens, c'était donc une nouvelle musique, vous l'aurez remarqué, Skyrim en notebook Minecraft une nouvelle fois. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu car elle était assez compliquée à faire, elle me tenait fort à cœur aussi, également à faire comme les autres. Mais voilà, pour vous savoir en fait, c'est sûrement la dernière musique que je vais vous faire sur ma chaîne principale en notebook Minecraft. Oui, parce que sur ma chaîne secondaire, j'en ai encore de prévues. Mais en fait, parmi toutes celles que j'avais prévu de faire en notebook Minecraft sur ma chaîne principale, c'était la dernière. C'est pour ça que j'ai essayé de la faire le mieux possible. Je me suis vraiment donné à fond. Je sais si c'est la dernière, autant qu'elle soit bien. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais ça sera peut-être pas la dernière. Je m'explique. J'ai plus d'idées parce que j'ai fait toutes celles que j'avais prévu de faire. Mais si ça vous plaît, si vous trouvez que je l'ai fait bien et qu'il y a une musique que vous adorez, de jeux vidéo, je rappelle, c'est gaming, hein, que vous adorez et que vous vouliez que je fasse en notebook Minecraft, vous n'avez qu'à le mettre en suggestion dans les commentaires. Et si il y a genre 2-3 personnes qui sont d'accord avec vous, eh bien dans ce cas-là, je ferai une musique en notebook Minecraft de la musique que vous m'avez recommandée. Maintenant, il faut quand même que j'aime un peu la musique. Si jamais c'est une musique que j'aime vraiment pas, je suis désolé, mais je la ferai pas. Mais si c'est une musique qui me plaît plus ou moins, bah alors, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme ça, vous êtes avertis. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce notebook Minecraft, donc de Skyrim, fait par moi-même. Assez compliqué, surtout vers la fin, parce que les tempos à la fin sont très, très, très différents et très longs. Donc, on dirait pas comme ça, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes que c'est forcément simple. Par moments, c'était même plus simple quand il y avait beaucoup de notes qui vont super vite, parce que c'était le même rythme tout le temps. Il y avait juste à transposer les notes, alors que vers la fin, les notes c'était simple, mais le rythme c'était hyper compliqué. Et souvent le rythme est plus dur à gérer que les notes. Voilà. Encore une fois, merci à vous d'avoir écouté. Et je vous donne donc rendez-vous pour une nouvelle vidéo d'un épisode, oh, je sais pas, peut-être Cryofear ou alors bientôt le retour de The Versus, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut qu'on règle 2-3 petites choses, que vous aurez une petite vidéo. Annonce ou information, je sais pas trop quoi sur The Versus parce qu'il va y avoir quelques changements, vous verrez ça bientôt. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!